Et salut YouTube, bienvenue à tous sur Chao Gaming. On se retrouve ensemble pour l'épisode numéro 15 sur Kena Bridge of Spirit. J'avais hâte et à la fois j'ai la pétoche tout simplement. J'ai peur que la difficulté me rebute. Alors c'est vrai qu'on peut changer la difficulté du jeu en cours. Voilà, j'ai quand même deux modes en dessous. Donc, est-ce que je suis en difficile? Là, ce serait très difficile. Là, ce serait normal. Là, ce serait facile. Mais je sais pas. J'ai pas pu trouver vraiment la signification de ce mode de jeu sur Internet. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que la difficulté me rebute. Toujours est-il que si vraiment c'est trop chiant, eh ben, je baisserai, tout simplement. Hein, on va pas non plus... se priver d'un plaisir immense. Donc s'il faut que ce soit comme ça, ce soit comme ça, parce que déjà le premier masque, ça a été compliqué mais faisable. Le deuxième, ça a été extrêmement dur. Alors j'ose même pas imaginer le troisième. Oh, punaise, je vois des fleurs. Oh là là, pas déjà. Dad is gone. Can you help me find him? Don't worry. We can look for him together. This is his staff. He can't get home without it. Can you carry it for me? Thank you.
Take it slow. You've traveled a great distance. Crossing over is no easy task. Toshi's spirit was different. Stronger than the others. He was able to push me from his memories. Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the Sacred Mountain Shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone, but I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father would be proud of who you've become. Magnifique cinématique. Il n'y a pas à dire, hein, le jeu est vraiment super beau. J'ai vu que c'était considéré beaucoup comme un Pixar, ce jeu. Et je suis assez d'accord avec cette vision. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. Alors, tout en maintenant votre bouclier avec un puis sur un pour effectuer un élan. Ah, d'accord, il y a des espèces d'arches. Utilisez l'élan pour esquiver des attaques et traverser le portail des esprits. D'accord. Et donc, j'imagine que ça correspond aux trois points qu'on avait vus, ce qui est étrange, c'est qu'on nous le mette auparavant. Donc je vous propose d'aller là-bas, déjà en premier. Alors je ne sais pas du tout lequel serait le plus facile, etc. Mais bon. Bon, du coup on retourne dans le village. Je vais faire un petit saut dans la boutique, parce que je crois que j'ai des cristaux. 2300, hein, mais bien sûr. Je n'ai rien débloqué en tenue. Hein. Par contre, bien sûr... Eh bien, on va se mettre sur les rottes. On va voir s'il y en a que j'ai débloqué, que je n'ai pas. Dinosaure, oh oui. Oh là là, oui. Très bien. Ah, ils sont beaux, hein. Eh bien, là, je ne peux pas. Pour le bœuf, je peux pour le chien. Ah, 26, je crois que c'était marqué 260. Bon bah. Ça va être coton de tout débloquer, je vous le dis moi. Et il me reste combien de chapeaux non trouvés? Il me reste quand même quelques-uns. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 chapeaux il me reste. 51 chapeaux, dont 3, 4, 5, 6 à 500. Intéressant. Est-ce qu'on peut... Je sais plus si on peut rejoindre par... Oui, je crois que c'était l'endroit, le point bleu, où j'ai eu un des coffres maudits, rappelez-vous. Il y avait une espèce de jetée au fond, donc on va retourner là-bas.
Bon, en tout cas, le dernier épisode là pour la dans la recherche de des prières, etc. dans le village m'avait fait beaucoup de bien. Hein. J'espère qu'on restera dans cette lignée-là, ça m'étonnerait, mais bon. L'épisode 14 est l'un de mes préférés, en tout cas. Ouais, c'est bien ça. Alors, j'imagine que c'est le portail violet. Voilà, j'avais battu hein, un coffre avec un coffre ici. La zone. Oh, mais il y a encore un courrier des esprits ici. Un artiste d'un lointain passé a sculpté une immense statue dans les falaises de la voie du chasseur. Intéressant, il y en a encore, hein. Je pensais qu'il n'y en avait plus que deux dans les falaises, mais non, il y en a encore un ici aussi. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ah oui, c'est beaucoup moins glamour hein, d'un coup. Mais c'est super bien foutu. Hein. Donc là, j'imagine que c'est pour revenir en arrière, peut-être. Bon. Qu'est-ce qui nous attend ici? Je ne vois pas de fleurs qui pourraient nous être utiles. Justement, si je fais mon bouclier ici. Non. Ça ne fait rien. Oui, mais encore, parce que là, je peux pas aller bien loin. On me dit bien que c'est de l'autre côté, mais moi je peux marcher sur l'eau, mais ça m'étonnerait, ouais, voilà. Bah oui. Bon. C'est peut-être pas celui-là le premier, il y a peut-être un ordre, hein, je sais pas. En tout cas, le truc classique ne fonctionne pas. Bon, c'est très étrange. Ouais, je peux plus passer dans le... Bon. Ah, regardez ça! J'avais pas vu. Allez! Direct! Ah putain! Mais c'est quoi ces saloperies? Oh là là, ça sent l'ordre ça! Refaire dans le même ordre pour voir. Eh oui, c'est pas ça. Ok. Bon, alors attendez. Est-ce qu'il n'y a pas une indication par hasard sur le schéma? Ben non. Il n'y a pas de chiffre romain, il n'y a rien de tout ça. Eh ben, on va faire des combinaisons différentes. Ça a l'air d'être ça. On va essayer centre droite gauche. C'est pas ça. Il y a bien un moment où on va trouver. Alors ça a pas l'air d'être le centre le premier. On va essayer 1, 2, 3. C'est pas ça non plus. On va essayer 1, 3, 2. C'est ça.
Alors si vous avez la signification du pourquoi, ça m'arrangerait. Alors du coup ça fait le boulot de téléporteur. C'est super intéressant en tout cas. Alors. Ah oui, ça m'a mis sur les îles au centre. Pas encore là où il y a le truc. Bon. Allez, on est parti. On peut bien le faire dans l'ordre que l'on veut. On est bien par là. Là, il n'y a rien. Ah, punaise! C'est long. Ah, j'avais pas vu. Ça va. Bon. Ah, ça nous fait une fleur ici. Et on nous a dit bien qu'il y a aussi des piliers. Par contre, il y a un portail là. Qu'est-ce que je choisis ? Ça, hein. On va prendre ça, mais où sont les caillasses? Ah, attends. Moi, je les vois pas, les caillasses à bouger. Elles sont un peu loin, quoi. Même pas atteinte. Chose derrière. En tout cas, je vois pas de passage. Bon. Je crois que j'ai compris, les amis. Je crois que j'ai compris. Attendez, on va voir. Ok, j'ai compris. Bon, on va attendre que tout se remette à zéro. Donc ici, j'ai rien à faire. Ah ouais, mais ça va être un sacré truc de rapidité, hein. Surtout si je me plante deux touches. Ça a l'air d'être bon. Bon, ça va. Je m'attendais à pire que ça. C'est passé. J'adore. J'adore ce passage. Excellent. Alors, où est-ce que j'ai atterri? Je suis toujours sur l'île... Ah oui, j'étais là-bas, là. Donc, je me suis foutu ici. Très bien. Alors, avant de progresser... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça active quelque chose, mais bon...
Je sais pas, peut-être qu'il faut d'abord vaincre les plantes. On verra bien. Allez, venez là. Toi, là, tu me... Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oui, comment on fait ça ? C'est très... Comment on fait ça? Ah putain, il balance des trucs en plus. Alors là, il me faut des explications, messieurs, dames. Parce que je peux même pas les arrêter... Comment je fais? D'accord, faut leur foncer dedans. J'ai compris. Merci pour l'explication, hein. Coriace. Bon, j'ai mis trop de temps à comprendre. C'est pas grave. Oh, ils sont tellement nuls à côté. Voilà. Mais... Ouais. Mais tu permets. Ça massacre ton copain. Là. Ok, très bien. Bon, gameplay intéressant. J'aime beaucoup. Je suis mort une fois, mais j'avais pas compris. Super. Alors, il y a encore, je vois un espèce de code. Et on nous a montré aussi le portail. Ah putain, mais il y a encore plein de passages là. Qu'est-ce qui se passe ? Détendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne fait rien sur la structure. Attendez, faites voir. Non, je pensais que ça faisait quelque chose sur le... Sur le truc. Bon, déjà ça, on va le mettre ici. Voilà. Comme ça, on va pouvoir voir... ce qu'il y a là-haut. Là. Je comprends pas à quoi ils servent.
C'est très étrange. Hein. Il peut y avoir une signification. Attendez, il y a trois dessins là sur le truc. Voilà, c'est pareil. Faut pas forcément me fier à ça. Est-ce qu'il y en a un qui brille? Et si je tire de là? Je sais pas, mais c'est très étrange. Hein. Ok. Je sens que je vais me planter, mais comme un gant. On va voir. Ben oui, c'est pas ça. Mais comment savoir de quel sens, enfin quel est le bon code? Ça, je sais pas. Hein. Le premier, je l'ai eu au pif, quoi. Et il n'y avait qu'un seul portail. C'est ça qui est étonnant. Comme si qu'il n'y a aucune indication sur aucun d'entre eux. Et je comprends pas à quoi sert le rond, quoi. Parce que tous brillent. Je pensais qu'il y en aurait un sur les quatre qui brillerait plus si on se mettait sur le bouton, mais il n'y a pas d'indication, on est bien d'accord. Je comprends pas. Par là, là, il n'y a rien qui puisse me... Non, là, il y a des cocons à la con. Cocons à la con, c'est très beau ça comme... comme mot. Indication. Mais ouais, je comprends pas pourquoi on peut aller là, quoi. En plus, j'y arrive une fois sur 30. Et je peux pas invoquer les rots à ce qu'ils restent sur les plateformes, en plus. Ouais, non, quand on les voit briller, il n'y a pas de... Et je peux les avoir d'ici en plus. Bon. On va essayer quelque chose. Pas quel est le suivant hein, ensuite. C'est dommage. C'est pas ça. Jolie esquive. Là, c'est pas ça non plus. Bon, c'est pas dans... Ok, hein. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de combinaisons avec un truc de plus, quoi. C'est pas ça. Comment on fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'énigme. Et c'est emmerdant. Attendez, regardez. Regardez là-haut, là, sur la montagne.
Il y a une indication très très éloignée. Alors attendez. Ça, ce serait le 2. J'ai peut-être trouvé les amis. J'ai peut-être trouvé la combi. Alors attendez. Donc là, ce serait le premier. Ici, j'en vois que deux, donc ce serait le deuxième. Les étoiles, bon sang. Allez, putain. Bon, Kina, qu'est-ce que tu nous fais, là? Là, ce serait le troisième. Je me suis peut-être trompé, attendez. J'ai peut-être fait n'importe quoi, parce que là, je fais dans l'ordre par rapport au placement des plateformes, mais... Mais non, c'est pas ça. J'ai compris mon erreur, ne vous inquiétez pas. Celui-ci serait en 2. Alors, le troisième, c'est le numéro 1. Donc ce sera celui-ci en premier. Là, il y a marqué qu'il y en a 2. Donc c'est celui-ci en deuxième. Oh là là, oh oh. Là, il y a marqué qu'il y en a 3. Donc c'est celui-ci en 3. Et enfin, normalement... C'est pas ça? Alors je lis mal les étoiles alors. Parce que là on me dit bien qu'il y en a 4. Et pour moi du coup celui-ci c'est celui-là. Une plateforme ne correspond pas à l'emplacement des trucs. C'est bizarre ça. 2. Et 1. On est bien d'accord. Donc moi pour moi c'est 1, 2, 3 et 4. Ah non, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Ou alors faut le voir à l'envers. Bah même à l'envers de toute façon. Je comprends pas, punaise. Je pensais avoir trouvé avec les étoiles. Saloperie. Moi aussi je fais à l'envers. Ah, c'était à l'envers.
4, 3, 2, 1, évidemment. Bon, bah j'ai trouvé. Ok, très bien. On est à 35 minutes, les amis. Alors, je ne vais pas faire un record d'épisode sur le SP de Kina. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais on s'en fout. Je vais à mon rythme. Alors ici, on surplombe tous les portails que j'ai pu faire, je pense. On les a pas tous fait encore. Hein. De voir sur la carte où je suis encore loin de Amour de Tarot. De Toshi. Tarot, on s'en est occupé depuis longtemps. Merde, j'ai pas vu où est-ce qu'on descendait avec ça. Attendez, si je me laisse juste tomber, j'appuie sur rien. Non, ça va pas. Ça, c'est embêtant. Attendez, on visionne bien. Je me sers de ça en premier. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Parfait. Je vais me retrouver, j'imagine. Ah putain, il y en avait encore un, merde! Alors attendez, je peux les avoir d'ici peut-être. Oui, bon, ils sont gentils. Là! Il me manquait juste une étape. J'ai l'impression d'être revenu au début du truc. Ah non, 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 je suis bien en face de l'amour de Toshi. On y est, et je peux me téléporter d'ici. Oh là 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 là, ça y est. Ça y est, le moment que je redoute. Hop hop hop, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, ça. Oh là là, il y a deux fleurs. Bon bah allons-y, hein. Il faut enclencher un gong avant. Ah, oh, j'ai tellement pas envie, putain, j'étais bien là, c'était cool ce qu'on faisait. Allez, c'est parti. Bye bye la tranquillité, bonjour l'énervement. Putain, son design est trop stylé en plus. J'adore. Guerrier.
coup, triple coup. Putain, tout ce qu'il m'a enlevé déjà. Ça lui enlève que... Oh la vache, il a une portée de dingue en plus. Triple coup il fait. Oh punaise, punaise de punaise. Triple coup, bon... Bah, de toute façon, je me doutais que j'allais crever, hein. C'est pas... C'est pas une surprise. Hop là, oh putain, c'est trop près. Encore une fois, hein, notre défense de merde, mais c'est hallucinant. Il brise les poteaux en plus. Mais comment tu veux éviter un truc pareil? C'est même plus de la portée là, c'est... Mais comment tu veux éviter un truc pareil? L'attaque prend tout l'arène. Mais faut arrêter. Faut arrêter les conneries là. Oh c'est... Mais c'est chiant. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit si dur que ça en plus. Mais encore une fois, notre défense de merde, mais c'est incroyable. Ok, merci. Ça, hein. Abusé. Merde. Ah non. Dommage, putain, j'y étais, mais à quoi sert mon bouclier? Vous voulez me dire à quoi sert mon bouclier? Ah, putain, il restait rien, j'étais content. J'étais content. Merde. Merde. Merde.
j'allais dire, on va reprendre de la vie. Putain, mais t'es sérieux, mec? Bon, ralentir le temps face à lui, je pense pas que ça serve. Le problème, c'est que quand je fais l'élan, je fais pas les touches dans le bon ordre ou je fais trop vite. Et du coup, il les prend pas en compte. Je panique tellement. Vous voyez, là, je fais le bouclier. Mais pourquoi elle a pas bougé? Moi, j'ai pas compris, là. Merde, j'aurais dû voir sa main, bordel, mon sang. Ça va, c'était pas le plus compliqué celui-ci. De rien, l'élan, c'est une tuerie. Hein. Saut du village. Le pouvoir de l'élan, c'est génial. Hein. Parce que ça l'arrête, en fait. Ça arrête son attaque. C'est stylé. Hein. C'est très appréciable. Tu viens quand c'est fini. On a journey of reflection, hoping to seek guidance from our ancestors. As our village struggled, Toshi found few answers here. Faites voir une minute. Ah oui, je suis toujours considéré comme dans le village. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a tant de chapeaux et de rottes dans tout ça. On est d'accord que c'est ouais, c'est les mêmes stats que dans le centre. Ok, très bien. Bon, eh ben je suis content les amis, parce que j'ai passé un agréable moment sur ce passage là. Même si j'ai un peu galéré sur le boss, j'ai perdu, mais je sentais pas que c'était infaisable. Vous voyez, il y a eu des boss dans des épisodes précédents où je voyais pas la lumière, quoi. Je savais que j'étais méga loin et il faut que je ressonne. Donc c'était quand même vachement frustrant.
Là, vous voyez, bon, la fois où j'ai perdu, il restait quasiment rien. Évidemment que je l'ai eu mauvaise, mais je sentais quand même que il y avait quelque chose d'assez simple à réaliser, quoi. Donc très très satisfait de cet épisode, on est à 50 minutes de toute façon, donc on va pas tarder à s'arrêter. Alors comment je rentre, moi? Le téléporteur obligatoire? Eh bien, téléportons-nous. La fleur de cerisier est magnifique. Hein. Eh bien, on va se mettre là. Très bien. C'est la première fois que nous sommes obligés d'utiliser un téléporteur pour revenir à un endroit précédent. Bon, dommage, j'aurais bien aimé manuellement y revenir. Mais c'est pas grave. Où est-ce que nous sommes? Alors ce serait derrière la maison qu'il y aurait quelque chose. Voilà, le portail est ici. On avait déjà tout délivré dans le coin, mais oui, je me rappelle qu'il y avait une grande porte impossible à pénétrer. Bien, eh bien, nous allons nous arrêter ici, les amis, pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, bah, nous nous retrouvons prochainement pour la suite de Kina Bridge of Spirit. Allez, salut tout le monde!